pêche avec Charlie. On va tenter les corlaisons avec ces tout petits hameçons, numéro 12, ici, relié sur un fil en 16 centièmes, 22 centièmes, pardon. Et on a ces avançons, ici, tout simple, qui éloignent l'hameçon que vous voyez ici du badling. Ces hameçons numéro 12 ici permettent de pouvoir prendre des corlaisons. C'est le cousin de la vieille, de la petite vieille. Et on essaiera de mettre une ligne pour le bar demain avec un de ces petits corlaisons qu'on va essayer de pêcher. Voilà, boîte à pêche bien équipée, c'est toujours un peu le bazar dedans. Je le ferai là, à l'heure du lieu, ici. Et ça peut du lieu. Et à quelle heure j'ai toujours une plume à pêcher. On va faire les turbules. Les turbules qu'on fait en ce moment, c'est la saison des encombres, donc ça là on fait des très bons résultats aussi. Nettement plus cher que les classiques. Donc celle-ci c'est 1,60€. Pas cher, efficace. Elle est vraiment morte. Pas la turlute orange. C'est plus rare que la turlute grosse. Je préfère quand même franchement la turlute grosse. Voilà pour mon petit bazar. Voilà. Bon bah très bien. Petite pêche demain. Merci Alain pour ta présentation. Finalement, le spot de pêche où on était, ça marche pas. Donc là, on est arrivé à Port Maria. Je vais vous montrer, c'est assez magnifique. Et puis, on va retenter notre chance voilà, pour prendre des petites vieilles, quoi, des cornazos, pour pouvoir appâter le bar. Allez, bon, bah, je vous montre tout ça tout de suite. À tout à l'heure. Bah, comme vous avez pu le voir juste avant, bah, finalement on n'a pas pêché de poisson à Quiberon, faut dire que la marée était basse. La marée était basse, on a tout cassé, on a tout enlevé. Ouais, on a tout cassé, donc finalement on a abandonné et là on se dirige vers Lotmariaker. Allez, on trace. Donc en face, c'est le golf. C'est l'entrée du golf. Ah. Bah, la mer est d'huile. Par contre, pour pêcher ici, c'est peut-être pas terrible.
bien voilà, c'est là où s'arrête cette vidéo. Vous oubliez pas les petits pouces. Faut vous abonner, abonnez-vous, n'hésitez pas. Il va y avoir quelques vidéos de technique également qui vont arriver sur la chaîne. Technique camping-car, camping-car life. Voilà, puis bah laissez des commentaires. Allez, à bientôt. Ciao.